revenir à Arras, c'est quand même toujours un plaisir pour moi, puisque c'est quand même mon lieu de naissance. Bon, je n'ai pas vécu longtemps à Arras, c'est vrai, mais j'ai quand même vécu un peu dans toute la période de mon enfance, enfin de mon adolescence. Et donc, la ville est très belle. J'ai beaucoup de souvenirs quand même. Donc, ça fait plaisir. Alors, en plus, la circonstance spéciale du fait qu'il y a un film sur moi, que le festival ait pris ce film, que de certaines façons on m'honore, bah c'est très bien, on ne peut pas se demander plus. J'étais en pension à Paris pendant la guerre, donc comme il y avait, vous ne savez sûrement pas d'ailleurs, mais il y avait une ligne de démarcation entre le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, je crois que c'est... et cette partie-là de la France était carrément dirigée par les Allemands. Alors que l'autre région, celle de Paris, était dirigée moins ouvertement par les Allemands et que celle en dessous de la Loire était soi-disant libre, mon œil. Enfin bon. Mais ici, il y avait vraiment la domination complètement du gouvernement allemand. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, à Paris, je ne pouvais pas revenir ici souvent. Donc je restais à Paris. Et qu'est-ce que je faisais pour le jeudi et le dimanche? Ben, j'allais au théâtre, au cinéma. Et c'est comme ça que je me suis intéressé d'abord au théâtre et ensuite au cinéma. Mes parents s'intéressaient culturellement qu'au théâtre. Ils ne s'intéressaient pas au cinéma. Donc j'allais très peu au cinéma avant la guerre, avant mes 10 ans. Je suis allé 3-4 fois. Bon, j'ai vu Capitaine Courageux, des films comme ça. J'ai vu évidemment... Non, parce qu'il n'était pas encore paru. Non. Bah, en fait, j'ai vu très peu de films à l'époque. Donc en réalité, c'est à partir du cinéma français, du cinéma d'occupation, pendant l'occupation, que je me suis vraiment intéressé au cinéma. Or, il se trouve qu'il y a eu un très bon cinéma français à l'époque. Comme si le cinéma permettait d'exprimer l'esprit français pendant l'occupation.